J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mes livres de recettes. Ça fait très longtemps que vous me demandez un détail sur tous mes livres que voici. C'est vrai que je commence à être bien équipée depuis que je suis végane. Là, j'ai actuellement 9 livres physiques et j'en ai aussi 9 en e-book. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler des e-books, je vais surtout parler des livres physiques. Et je vais essayer de résumer assez rapidement chaque livre pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Voilà, ça va être un petit challenge quand même pour ça, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces livres, autant sur les recettes que sur les informations qu'ils contiennent. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment et j'ai attendu d'avoir le dernier livre de la petite Okara qui vient juste de sortir, donc pour vous faire un avis global, parce qu'en fait là du coup vous avez les livres de tous les youtubeurs ou instagrammeurs que je suis au quotidien, donc ça fait super plaisir. Voili voilou. Bon, bah écoutez, c'est parti, on commence par le premier livre. Du coup, le premier livre que j'ai acheté en tant que végane, c'est le livre d'Alice Esmeralda, intitulé « Vegan ». Ce livre regorge d'informations, de conseils, de recettes. C'est vraiment une mine d'or. Comme je l'ai acheté au début de ma transition végane, il m'a énormément apporté et il m'en apporte encore beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, je l'avais déjà expliqué dans mon vlog. Donc je vous remets dans le petit « i » si vous l'avez loupé. Je vous avais expliqué comment j'étais devenue végane. Et c'est en partie, c'est même grâce à Alice Esmeralda au final. Vous avez même des informations sur le véganisme. Donc c'est là aussi que j'ai appris des choses que je ne savais pas avant. Et donc du coup, ce qui fait que je me suis renseignée par la suite. Vous avez beaucoup d'informations sur les qualités nutritionnelles des produits, les équivalences principales pour faire vos assiettes. Vous avez même un petit challenge à la fin. Justement, elle vous guide sur 3 semaines avec les recettes du livre pour justement manger pendant 3 semaines en tant que végane. Donc vraiment, ce livre, il est méga complet. Les recettes sont super. J'ai quasiment tout testé dans ce livre. Il y a peut-être une dizaine de recettes que je n'ai pas testées parce qu'elles me tentent moins, mais que je ferai quand même un jour parce que j'ai dit que je ferai toutes les recettes de tous les livres que j'ai. Voilà, surtout qu'en plus il y a des choses où je disais que c'est pas terrible et finalement c'était une tuerie. Donc voilà, je me fie plus vraiment à mes premières impressions de base parce que j'ai eu pas mal de surprises depuis que je suis végane. Donc voilà pour ce petit résumé pour Alice Esmeralda. Alors, le deuxième livre que j'ai acheté, je l'ai acheté d'ailleurs très rapidement, je l'ai acheté 2 semaines après celui d'Alice, c'est celui de Lloyd Lang, Une journée dans mon assiette végane. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de plus de recettes diversifiées et du coup, comme je suivais Alice donc sur YouTube, j'ai découvert Lloyd également sur YouTube et j'ai vu aussi que ses recettes avaient l'air ouf, qu'elles me plaisaient vraiment et j'ai vu qu'elle avait donc aussi également sorti son bouquin. Ce qui fait que je l'ai acheté très vite pour alterner entre le livre d'Alice et le livre de Lloyd. Surtout que le livre d'Alice, comme je faisais beaucoup de recettes, ça allait très très vite. J'avais peur de me retrouver en manque de recettes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu compléter. En plus, Lloyd a des origines mexicaines, ce qui fait qu'il y a beaucoup de ses recettes qui sont mexicaines. Et comme j'adore la nourriture mexicaine, c'est vrai que c'était un plus pour son livre. Et voilà. Donc sinon, comparé à celui d'Alice, il a beaucoup moins d'informations. C'est-à-dire qu'elle explique comment elle est devenue végane, donc son parcours à elle, mais elle ne va pas aller dans le détail pour les autres. Pareil pour tout ce qui est aliments, elle ne va pas décrire les apports nutritionnels, ce genre de choses. Elle va rester sur le basique, c'est-à-dire ce qu'elle a dans ses placards, ce qu'elle utilise au quotidien, etc. Donc ce que vous avez besoin de savoir en tant que végane, ce que vous devez débuter dans votre cuisine. Voilà. Mais après, tout ce qui concerne le véganisme, tout ce qui concerne vraiment les produits les produits bruts tels quels, les apports et tout ça, il n'y a pas du tout ce genre d'infos. Par contre, vous avez pas mal de recettes. En plus, elle les décrit par saison.
Vraiment, c'est vraiment super, super. Bon, il y a quelques recettes qui sont également dans l'île d'Alice, hein, il y a quelques-unes qui se complètent, mais elles n'ont pas du tout la même recette, ce qui fait que c'était sympa de pouvoir tester deux recettes différentes pour savoir laquelle était ma préférée ou au contraire faire un mix des deux. Ce que j'ai déjà fait, par exemple, pour les pancakes, ma recette de pancakes, en fait, je me suis inspirée de la recette d'Alice et la recette de Lloyd. J'ai pris ce que j'aimais dans les deux recettes et j'ai enlevé ce que je n'aimais pas dans les deux recettes. Et ça donne ma recette de pancakes. Je vous la remets dans le petit i si vous l'avez manqué, c'est dans la semaine dans mon assiette spéciale petit déjeuner. Donc voilà pour le livre de Lloyd. Ensuite, mon troisième livre, plutôt 3 et 4, ce sont les livres de la cuisine de Jean-Philippe. Alors, quand je suis arrivée à la librairie, j'ai vu les deux livres, je n'arrivais pas à me décider sur lequel j'allais acheter. Mais alors, impossible, parce que les deux livres étaient une merveille au niveau des recettes. Quand j'ai regardé la table des matières, je fais, comment je vais me décider? Sachant que je m'étais renseignée déjà au préalable, je suivais donc Jean-Philippe sur sa chaîne YouTube, c'est comme ça que je l'ai découvert également. Donc c'est vrai que son premier livre, donc il y a 100 recettes dedans, la plupart, plus de la moitié, hein, il me semble, est sur sa chaîne YouTube. Donc c'est vrai qu'on se demandait l'intérêt d'acheter le livre, sachant qu'il dévoilait quasiment l'intégralité de son livre. Mais c'est vrai que moi j'aime bien le support papier, et en plus toutes les recettes qui sont là-dedans, c'est vraiment des recettes basiques, qui sont vraiment utiles. Donc je me voyais pas ne pas l'acheter. Puis il y avait quand même des spécialités à l'intérieur qu'il n'y avait pas sur la chaîne YouTube et qui me tentaient grave. Donc j'ai dit bon, allez, je le prends. Et celui-là, donc je l'ai pris également. J'ai acheté les deux d'office. Hein, voilà. Donc j'ai pas encore pu tout tester parce que voilà, dans les deux livres-là, il y a presque 200 recettes. C'est énorme. J'ai pas tout testé, mais vraiment, ces deux livres sont vraiment super. La cuisine de Jean-Philippe. Franchement, elle fait des merveilles. Par exemple, le tofu, j'ai appris à l'adorer grâce aux recettes de Jean-Philippe. Là, c'est une recette de tofu au beurre. Vraiment, elle est succulente. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vraiment, c'est la meilleure recette, je dirais, de tofu. Alors, je dis meilleure parce que j'ai pas encore tenté les autres. Enfin, j'en ai tenté quelques-unes, mais pas toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, des recettes de tofu dans les deux livres. Hein, si vous les additionnez, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plus d'une dizaine. Mais vraiment, jusqu'à présent, c'est ma recette préférée. Et c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de tester les autres. C'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'on reste beaucoup sur ces basiques, ce qu'on préfère. Donc, du coup, on revient toujours au même. Mais il faut vraiment diversifier. Il faut diversifier. Par contre, il faut savoir que sur ces recettes à lui, la plupart sont très longues à faire. Il faut vraiment avoir beaucoup de temps libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait tout de A à Z. Que ce soit la pâte, que ce soit les sauces. Il fait vraiment tout. Alors, c'est super parce que vous pouvez apprendre à faire plein de sauces, que ce soit des vinaigrettes, des sauces tomates et tout ça. C'est super. Mais à un moment donné, quand vous devez faire une recette et que vous avez tout à faire, vous vous dites, ah ouais, quand même. Quand vous voyez le temps qu'il faut, plus d'une heure ou une heure et demie, voire 2 heures, voire plus que j'ai déjà vu dans une de ces recettes, voilà, il faut vraiment avoir du temps libre. Donc, c'est des recettes que je privilégierais plutôt le week-end plutôt qu'en semaine. Après, vous pouvez très bien substituer, hein, genre la sauce tomate, vous ne faites pas la sienne, vous en prenez une du commerce. Mais c'est vrai que la cuisine de Jean-Philippe, ses recettes sont tellement bonnes que je ne me vois pas acheter celle du commerce. En fait, quand il fait une recette, j'ai envie de la tester à 100%. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue. Ses recettes sont vraiment super bonnes. Mon coup de cœur, le dernier que j'irai, à part le tofu, c'est le mac and cheese. Parce que j'en ai testé plusieurs. À chaque fois, c'est une sauce à base de légumes qui donne pas du tout un goût fromager malgré l'utilisation de levure maltée. Mais c'était bon, hein, je dis pas. Hein. C'était une sauce nappante, crémeuse et tout. Mais pour moi, le mac and cheese, c'est du fromage. Donc du coup, je n'avais pas cette impression de fromage et ça me manquait. Par contre, la recette de Jean-Philippe, d'ailleurs, il l'a dévoilée très récemment sur sa chaîne YouTube si elle vous intéresse. Vraiment. Elle est super bonne, avec les noix de cajou, du coup, où il y a un vrai goût fromager, et elle est super, super bonne. C'est une sauce que vous pouvez utiliser, du coup, dans toutes vos pâtes, voilà, à retenir, elle est hyper facile à faire, hyper simple. Donc, voilà. Donc, vous avez des recettes simples, vous avez des recettes longues, vous avez des recettes très diversifiées, enfin, vraiment, ces deux livres, c'est vraiment une mine d'or, vraiment. Donc, si je dois vous recommander un livre, j'arriverai pas à me décider. Je dirais peut-être plutôt celui-là, parce que même si j'ai fait moins de recettes dans ce livre-là, ces recettes vraiment sont ouf. Il y en a plein que je dois tenter, que j'ai pas le temps de le faire, mais vraiment, vraiment, ouais, les deux sont super. Mais après, si vraiment vous devez en choisir un, choisissez plutôt celui-là où il n'y a pas trop de contenu sur Internet, alors que celui-là, comme je vous le disais, son contenu a beaucoup été dévoilé sur sa chaîne YouTube. Donc vraiment, si vous devez choisir, prenez plutôt celui-là.
Mais les deux, franchement, se complètent super bien et valent vraiment le coup. Du coup, après avoir donc plusieurs livres de recettes vegan standard, on va dire, j'avais vraiment envie d'une subtilité. Et quand j'ai vu le livre de Elsie Lalou, spécial dessert et goûter, donc qui est sorti il y a quelques mois seulement, j'ai dit, il faut que je saute dessus. Moi qui suis fan de goûter, de chocolat et tout, j'ai dit, non mais ce livre, c'est une pépite quoi. Et en effet, c'est une pépite. J'ai fait pas mal de recettes, j'en ai fait 5, 6, peut-être un peu plus. Pareil, j'ai pas eu le temps de tout tester. Et c'est vraiment des recettes de malade. De malade. Faut dire que, alors, par contre, donc c'est vrai que ces recettes sont simples dans le sens où c'est des ingrédients que vous trouvez facilement. Donc genre de la margarine, de l'huile, du sucre, de la farine. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les quantités sont énormes, genre sont millionnaires, j'ai eu du mal à le finir, j'ai dû le congeler tellement il était énorme. En fait, on se rend pas compte, elle est très gourmande. Et du coup, elle fait des doses vraiment de cheval, quoi. Et en plus, moi, avec mon bypass, je peux pas manger tout ça, c'est pas possible. Même avec mon homme, qui est très gourmand aussi, à deux, on n'y arrive pas. Hein. Donc faut pas hésiter sur certaines recettes à diviser les doses ou en congeler, parce que du coup, ça se congèle très bien. Mais voilà. Et en plus, bon, c'est pas de la recette healthy. Hein. Ça, faut le savoir, c'est quand même relativement gras et sucré. Donc, pareil, à petite dose. Hein. Le millionnaire était super bon. C'était le meilleur biscuit que j'avais jamais goûté. Alors, un millionnaire, si vous savez pas ce que c'est un peu comme un Snickers, en fait, puisque c'est une base sablée avec du caramel et du chocolat. Mais vraiment, c'était hyper bourratif tellement c'était gras et sucré. Alors, c'est voilà, comme je vous dis, c'était super bon, mais il faut savoir voilà, que c'est pas du light. Hein, voilà. Après, elle propose vraiment des fois des gâteaux énormes, type anniversaire, pour recevoir, pour offrir. Vraiment, si vous voulez épater des convives, c'est le livre qu'il vous faut. Quoi. Ça, c'est clair et net. Après, il y a quand même des recettes un peu plus light, hein, je vous dis pas, qui se passent très bien, genre ces cookies et tout, c'est des tueries et ça passe nickel. Voilà. Mais pareil, j'ai testé sa bûche pralinée pour Noël, donc qui était une réussite, hein, j'étais fière de moi. Elle était super bonne, mais pareil, hyper bourrative, hein, donc on a mis une semaine à la manger. Voilà quoi. Donc vraiment, voilà, si vous êtes très gourmand, que vous adorez les recettes et qu'en plus, vous aimez bien tout ce qui est gras et sucré, ce livre est fait pour vous. Alors, ensuite, j'ai vu récemment le livre de Julia, Les délices de Julia. Donc, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, Une journée dans mon assiette. Alors, Julia, elle n'est pas végane, elle est végétarienne, mais elle va vers le véganisme. Et toutes les recettes qui sont dans le livre, les trois quarts sont véganes. Une grosse partie est véganisable très facilement. Elle propose même dans certaines recettes par quoi remplacer par exemple l'œuf pour les véganes justement. Et il y a quand même quelques recettes où il y a 2-3 œufs, donc là c'est pas véganisable. Enfin, ça l'est, mais si vous n'y connaissez rien, vous ne pouvez pas le véganiser vous-même. Mais franchement, rien que les trois quarts de ces recettes, hein, honnêtement, hein, ça suffit largement. Elles sont vraiment énormes. C'est des recettes hyper simples, hyper rapide et vraiment super bonne. Bon, après, c'est bon, c'est super bon si vous les mangez rapidement. Il y a certaines recettes qui peuvent durer dans le temps, mais pas toutes. La plupart, toutes celles qui sont un peu express, il faut le manger dans les 48 heures. Sinon, ça perd son moelleux ou son croquant et c'est moins bon. Mais franchement, ces recettes, si vous voulez un truc, genre vous voulez un petit déjeuner rapide, hop, vous prenez son livre, en une demi-heure chrono, vous avez un beau petit déjeuner. Vous voulez un goûter, pareil, hop, en même pas une demi-heure chrono. Hein, vraiment, hein, cuisson comprise et tout. Hein, C'est pour ça que souvent, quand j'ai envie d'un autre petit déjeuner ou d'un autre goûter, je prends son livre, je regarde ce qui me tente et hop, je fais la recette. Et c'est vraiment super bon. Bon, bien sûr, comme son nom l'indique, addict au chocolat, il y a du chocolat partout. Hein. Donc si vous n'aimez pas le chocolat, passez votre chemin. Mais sinon, si vous adorez le chocolat, je vous assure que ce livre est super. Même s'il n'est pas 100% vegan, je le conseille vivement parce que vraiment, c'est une pépite. Et je ne vous raconte même pas ce qu'elle dévoile sur son Instagram. Il y a vraiment d'autres recettes qui ne sont pas dans le livre parce que pareil, il y a beaucoup d'exclusivité là-dedans. Mais sur son Insta, pareil, elle nous épate tous les jours avec des nouvelles recettes. Et j'en ai tellement d'enregistrées, j'arrive pas à toutes les faire. Il y en a que j'arrive à faire. Là récemment, c'était une brioche. Vraiment, pareil, super bonne. Donc sans temps de pause, sans pétrissage et super bonne. Vraiment. Donc voilà, Julia, c'est le guide à avoir si vous voulez faire des petits goûters, des petits déjeuners très très rapides ou sur une envie soudaine de chocolat. Ensuite, j'ai acheté le livre de
Sébastien Cardinal, 7 ans. Je ne savais pas qu'il avait fait ce livre, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le 7 ans, c'est mon coup de cœur vegan. Donc du coup, toutes les recettes de ce livre utilisent du 7 ans. Donc vous l'avez en saucisse, en rôti, en émincé, vous l'avez en plein de formes différentes et il a fait des plats différents de tous les pays. Vraiment, ça donne trop envie. Alors après, je vais être honnête avec vous. Hein. Je ne l'ai pas encore vraiment, vraiment utilisé. J'ai juste fait une seule recette que j'ai fait à Noël. C'était un rôti au piment en basse poids avec des poivrons. C'était très bon, mais par contre, j'ai craché le feu parce qu'il y avait beaucoup trop de piment. Et ce que je ne savais pas sur Sébastien Cardinal, c'est qu'il adore le piment. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ce qui fait que moi, le piment de Cayenne, c'est trop fort pour moi. Pour lui, c'est rien du tout. Donc, on n'a pas du tout la même sensibilité là-dessus. Déjà que sur la recette, j'avais vachement réduit quand j'ai vu le nombre de grammages. J'ai dit, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. J'avais déjà réduit et en plus, j'avais mis du piment doux. Et heureusement, parce qu'on crachait déjà bien le feu avec la recette. Donc voilà, donc après vous pouvez modifier à votre guise bien sûr, mais sinon ces recettes vraiment donnent toute envie. C'est vrai que pareil, elles prennent du temps, donc du coup j'ai pas forcément pris le temps de vraiment tester ces recettes. Il y a aussi le fait qu'ils utilisent pas mal d'ingrédients que je ne trouve pas, par exemple du za'atar, j'en trouve sur internet, mais j'en trouve pas en magasin, que ce soit un magasin asiatique ou magasin bio ou même en supermarché. C'est des épices qui ne sont pas courantes, donc du coup, que vous ne trouvez pas facilement. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de faire une commande sur Internet juste pour une épice qui va me coûter 2 euros et que je vais avoir 7 euros de frais de port. Donc j'attends d'avoir plus de choses à commander pour pouvoir faire une commande groupée. Mais voilà. Bon, après, il n'y a pas non plus grand-chose. Hein. À l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a que 2 épices que je n'ai pas trouvées. Tout le reste, j'ai fini par le trouver, mais avec beaucoup de difficultés quand même, hein. J'ai dû faire tous les supermarchés, à chaque fois je regardais est-ce qu'ils avaient ça, est-ce qu'ils avaient ça, donc c'est, voilà, bon j'ai fini par trouver quand même la plupart des ingrédients, donc ce qui fait que maintenant que j'ai ce qu'il faut pour les 3/4 des recettes à la maison, il faudrait peut-être que je m'y mette, mais voilà, mais en tout cas, si vous êtes fan de 7 ans, je pense que ce livre peut vous convenir, dans le sens où il vous dévoile bien comment le préparer avec plein de spécificités. Et du coup, voilà, ça change vraiment du 7 ans habituel. Après, je vous avoue que moi, le 7 ans habituel que je fais, c'est celui de la petite Okara. C'est le 7 ans kebab. C'est le plus simple à faire, le plus rapide et qui est super bon et que vous pouvez, pareil, utiliser dans plein de trucs différents. D'ailleurs, si vous avez vu mon vlog récent au Mont Blanc, vous avez dû voir que j'ai mangé que ça quasiment du week-end, mais que je l'ai mangé de différentes manières et que c'était super bon à chaque fois. Voilà. Donc c'est vrai que dès qu'on a quelque chose qu'on connaît, qui est bon, qui est simple et rapide, bah vous allez toujours sur cette recette, hein, c'est vos favoris. Mais il faudrait vraiment que je me mette à faire les recettes de Sébastien parce que vraiment ce qu'il y a là-dedans, ça a l'air vraiment beaucoup, beaucoup trop bon. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vous le conseille. Alors pour les 2 derniers livres, je vous présente donc ceux de la petite Okara. Alors tout d'abord celui-là. C'est le premier livre qu'elle a sorti, c'est un livre spécial de soupe. Donc ce livre, je l'avais eu en cadeau, parce que j'avais acheté un de ses t-shirts sur le site, et du coup, il était en cadeau. Et je ne l'ai pas encore testé. Malgré que toutes ses soupes donnent vraiment très très envie. Alors je ne suis pas du tout soupe, mais vraiment, elle arrive à nous faire des choses. Quand on voit les ingrédients et tout, et puis les photos, tu te dis, ah ouais, quand même, elle arrive à faire des choses de ouf avec des soupes. Et j'ai jamais été déçue des recettes de la petite Okara. Jamais. Vraiment, si vous la suivez pas, je vous la conseille de la suivre sur YouTube. Elle dévoile tout son contenu gratuitement. Et vraiment, elle fait des recettes, mais vraiment que j'adore. J'adore. Je ne peux pas me passer d'elle. Tellement, elle fait des recettes vraiment super. Donc, à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je suis la première à regarder. Mais du coup, j'ai tellement de recettes en attente de tester que... à un moment, ça ne suit plus. Et en plus, maintenant qu'elle a sorti son livre... Bon, voilà, là j'ai prévu cette semaine d'en faire un bon paquet, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse une pause parce que je ne vais pas pouvoir continuer sur ce rythme, ça c'est sûr. Donc revenons sur ce livre. Donc il y a une soupe qui me tente particulièrement, c'est la soupe miso, parce qu'elle fait vraiment la soupe miso à l'asiatique, donc la vraie, avec le dashi, mais vegan du coup, avec le kombu, les shiitake et tout ça. Pareil, j'avais du mal à trouver tous ces ingrédients, donc heureusement je les avais trouvés sur Casidomi, donc je les avais tous achetés, donc j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai plus qu'à me mettre la main à la pâte. Mais c'est vrai que les soupes, malgré qu'on est en hiver, c'est pas forcément le premier plat que je vais sauter dessus, à part les ramen, parce que les ramen j'adore ça parce que c'est très consistant
avec les pâtes et tout, c'est vraiment super bon. C'est pas qu'un bouillon, même si j'adore le bouillon. Mais voilà, c'est vrai que il faudrait absolument que je m'y mette. Donc promis, je vais m'y mettre. Marion, si tu regardes cette vidéo, promis, je vais m'y mettre. Mais en tout cas, si voilà, si vous voulez des idées de soupe, son livre vous en donnera. Ça, c'est clair et net. Et elle fait des soupes de toutes catégories, hein, que ce soit des soupes de la mer, des soupes françaises, des soupes asiatiques. Enfin, vraiment, vous avez un lot de soupes vraiment extraordinaire. Et la dernière pépite donc, que j'ai il y a quelques jours et que j'étais très contente, donc c'est le livre de Marion, 30 jours pour devenir végane. Alors son livre est décomposé donc par jour, hein, comme vous l'avez compris. Chaque jour, elle prend un thème et elle vous fait deux recettes sur ce thème. Donc genre par exemple, le jour 1, c'est les petits déjeuners, donc elle vous présente deux petits déjeuners. Franchement, son livre est super bien fait. Vous avez des infos, j'ai quand même appris des trucs, hein, malgré que ça fait quand même 8 mois que je suis végane, il y a quand même des choses que j'ai appris. Sinon tout le reste, bon bah ça va. Ce livre, franchement, est vraiment super bien fait. Les recettes, pareil, donc il y a 90% d'exclus là-dedans qui ne sont pas dans sa chaîne YouTube. Donc vraiment, c'était obligé que je l'achète pour avoir ces recettes supplémentaires. Des recettes que j'attendais avec impatience, elles sont là-dedans. Genre, comment cuisiner de l'okara. Parce que donc l'okara, c'est la pulpe du lait quand vous faites votre lait végétal maison. J'ai déjà fait du lait de soja. Je vous renvoie à une de mes vidéos sur le lait de soja. Du coup, l'okara, je sais quoi le faire en salé, parce que Muriel Noisette a dévoilé pas mal de recettes là-dessus. Donc du coup, j'ai beaucoup apprécié, mais j'aurais bien voulu tenter le sucré. Alors elle l'a déjà fait une ou deux fois, mais voilà, c'était pas forcément dans des recettes que je voulais tester. Et là, par exemple, j'avais envie de tester des cookies à l'okara, mais je ne savais pas du tout combien mettre de grammes d'okara, comment ça peut aller. Est-ce que c'est l'okara de soja qui est le mieux, ou vaut mieux mettre de l'okara d'amande ou de l'okara d'avoine, donc ce qui est le cas donc pour la petite Okara, elle fait du lait d'avoine et elle utilise l'Okara d'avoine pour faire des cookies. Donc du coup j'étais trop contente quand j'ai eu la recette parce que je dis ah bah enfin un truc que je veux savoir. Je teste les recettes toutes faites mais je ne suis pas testeuse moi-même. À part quelques recettes que j'ai décidé de tester, genre mes recettes défi. Ça c'est des recettes voilà propres où j'ai déjà une base que je travaille et puis j'ai juste à véganiser les ingrédients. Donc pour moi c'est pas compliqué si vous voulez. Mais vraiment créer une recette à moi en faisant des tests. Non, je n'ai pas l'âme d'une aventurière là-dessus, pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc je reviens au livre de Marion. Donc par contre, pour les véganes débutants, ce livre peut très bien convenir parce que la plupart des recettes sont hyper simples à faire. Il n'y a pas de pièges ou de choses comme ça. En plus, elle aborde tous les thèmes, hein, que ce soit le tofu, les gâteaux, elle traite même de la Saint-Valentin, donc les repas en amoureux. quoi dire d'autre? Vous avez pour les lunchs à emporter, pour le meal prep, où elle vous donne des conseils pour faire des meal prep par exemple, et donc elle vous donne deux idées de recettes qui sont facilement justement pour le meal prep. Vraiment, vous avez une mine d'informations sur les différents types de repas que vous puissiez avoir ou que vous voulez avoir. Donc vraiment, ce livre est super. Il est super. Donc là, pour l'instant, j'ai testé que trois recettes et je compte en tester d'autres cette semaine. Donc si vous suivez mon Instagram, vous les verrez. En conclusion, quel est mon livre préféré? Tous. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils se complètent, tout simplement. Tous ces livres m'apportent quelque chose sur un plan spécifique. Par exemple, les deux là, c'est sur les goûters ou les petits déjeuners. Les livres de Jean-Philippe, pareil, ils se complètent bien avec le livre de Lloyd et d'Alice pour avoir vraiment des recettes très très diversifiées. Après, vous avez le livre donc, de Sébastien Cardinal qui est vraiment spécifique aux 7 ans, donc pour vraiment cuisiner que le 7 ans. Celui de la petite Okara, spéciale soupe. Donc vraiment, voilà, pareil, si vous voulez vraiment faire qu'une soupe, vous avez le livre adapté. Et le dernier, donc 30 jours pour devenir végane. Donc celui-là, pareil, je pourrais le rajouter, on pourrait dire avec justement le livre d'Alice de Lloyd et de la cuisine de Jean-Philippe pour des vraiment recettes très diversifiées également. Il rentre tout à fait dans ce cadre. Maintenant, si je devais en choisir un seul pour la transition végane, celui que je conseillerais, c'est celui d'Alice. Alors, désolé Marion, pourquoi celui-là et pas celui-là? Alors, mon avis objectif, hein, les deux sont super. Je l'ai déjà dit, je le redis, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, en tant que... Là, par exemple, je suis végane depuis quelques mois. Quand j'ai lu le livre de la petite Okara, parce que vraiment, j'ai lu toutes les infos, hein, de A à Z, hein, j'ai tout lu. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai lu son livre qu'il y avait des choses que je me suis dit dans ma tête, heureusement que je le sais, que j'ai appris l'info avant.
Parce qu'en lisant, en fait, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est on a envie d'en savoir plus. On a envie d'avoir plus d'informations. Son livre est vraiment, il aborde tous les sujets, mais pas dans le détail. Donc, elle reste concise, elle donne l'essentiel, mais il n'y a pas de détail. Donc ça, c'est vrai que si j'avais commencé, parce que normalement, ce type de livre, ce serait vraiment pour un début de transition végane. Moi, je ne le verrais pas comme ça. Moi, je pense que c'est bien pour quelqu'un qui a déjà mis les pieds dans le plat, c'est-à-dire qui a déjà commencé sa transition végane, qui a juste besoin de compléments ou autres, donc d'autres recettes, d'autres informations. Et là, le livre de Marion s'y prête tout à fait, pour justement compléter les acquis. Pour vraiment devenir végane avec toutes les informations nécessaires à votre transition, pour moi, c'est le livre d'Alice. Juste parce que presque le début du livre est vraiment riche en informations. Vous avez toutes les informations sur pourquoi devenir végane. Ça, c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand elle a expliqué l'histoire sur le soja, sur les produits laitiers, sur les cosmétiques. Il y a vraiment tout le détail mais vraiment, elle détaille énormément. Ça m'a mené à réfléchir. C'est justement, au départ, je testais que les recettes, j'étais végétalienne. Et pour aller vers le véganisme, c'est vraiment le livre d'Alice qui m'a mis dans la tête, ah oui, ça c'est des choses que tu ne savais pas, que tu ne te doutais pas et qui m'a donné envie de me renseigner encore plus. Et c'est comme ça que je suis devenue vraiment 100% végane. Pareil, elle détaille vraiment les ingrédients, les équivalences, les bienfaits, si c'est riche en protéines ou en fer, en magnésium. Enfin vraiment, c'est hyper, hyper détaillé sur les apports nutritionnels. En même temps, elle a un master en nutrition, donc c'était un peu logique de retrouver sa patte dans son livre. Mais pour moi, ce livre, c'est une bible. En fait, c'est une bible d'informations pour vous aider à équilibrer vos assiettes. En plus, avec son petit challenge qu'elle rajoute à la fin, et pareil, elle vous donne des conseils pour équilibrer vos repas, moi, je l'ai trouvé magique. Ce livre, franchement, je crois que c'est grâce à ça, hein, d'ailleurs, que je suis devenue végane en moins d'un mois, parce que grâce à son livre, j'ai pu mettre en place très rapidement les habitudes que je devais avoir. Et des fois, quand je me retrouve un peu paumée ou que je me dis mince, est-ce que j'ai assez de protéines, est-ce que j'ai assez de ci, assez de ça, je retourne voir son livre pour avoir les infos, tu vois. Ou par exemple, je sais que la dernière fois j'avais une petite carence en zinc, hop, j'étais dans le livre, qu'est-ce qui contient du zinc? Ah, bah, il y a tel ingrédient, bon, bah, je vais en mettre un peu plus dans mon alimentation. Donc pour moi, quand tu commences à devenir végane, que tu t'intéresses au véganisme et que tu veux vraiment manger végane, pour moi, le meilleur livre, c'est celui-là. Voilà, bah écoutez, c'était le résumé de mes 9 livres de recettes. Je vous conseille également de suivre, si ce n'est pas déjà le cas, les chaînes de ces youtubeurs, youtubeuses ou instagrammeurs, instagrammeuses. Parce que franchement, les recettes qu'ils dévoilent au quotidien sont tout aussi ouf que dans leurs livres et ça vaut vraiment le coup d'œil. Après, si vous avez peur d'être envahi de recettes, dans ce cas-là, abstenez-vous, contentez-vous juste des livres, parce que vraiment, ils dévoilent du contenu très régulièrement et c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à suivre. Hein. Il faut arriver à suivre. Mais au moins, ça vous donne vraiment une diversité des recettes. Vous pouvez voir tout ce qu'on peut faire en mode vegan et c'est juste impressionnant. Quand vous voyez le nombre de recettes que vous pouvez faire, que ce soit des choses nouvelles ou des choses connues qui ont été véganisées, vraiment, vous y trouverez forcément votre compte. Vraiment. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné pas mal d'infos sur ces livres. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!